Bon, pour les personnes qui me suivent, vous savez qu'actuellement, j'essaie de sortir une formation sur le community management. Et créer cette formation me prend énormément de temps, au point où je délaisse un peu tout le reste, notamment les vidéos YouTube. Il y a quelques jours de ça, j'étais en train de bosser sur la formation quand il me vint une idée. Je me suis dit, pourquoi pas documenter le montage de cette formation en vidéo? L'idée a germé dans ma tête et on se retrouve là pour que je vous présente cette formation en vidéo. Je vais créer sur ma chaîne une playlist spécialement dédiée à la conception de cette formation. En faisant ça, en fait, ça me permet d'éviter de faire un lancement comme font la plupart des youtubeurs. Perso, je déteste ça en plus. Et vous, la team, ça vous permet de savoir ce qu'il y a dans cette formation de community management avant de vous délester de quelques deniers pour faire la formation ou pas. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Thierry. Et le but de cette chaîne est de partager toute mon expérience sur le community management et l'entrepreneuriat. Tu peux me suivre sur YouTube, mais aussi sur Instagram et Twitter. Tu retrouveras tous les liens utiles dans la description. La team, vous êtes bien installés? C'est parti. Je dois vous dire un truc. Faire une formation est beaucoup plus compliqué que ce que je pensais. J'aurais pu faire une formation plus ou moins équivalente à mes vidéos YouTube, mais ce n'est pas du tout ce que je veux en fait. Ce que je veux en fait, c'est que les personnes qui décident de payer ma formation pour se former au community management arrivent avec pas ou peu de compétences, donc du point A, à un point B, donc avec des compétences de community management. Pour cela, j'ai pris une semaine pour apprendre à faire une formation, en suivant du coup une formation en vidéo. Désolé pour la répétition. J'ai aussi lu quelques trucs pour que la formation soit plaisante à suivre. Je me suis formé au community management il y a 4 ans auprès de la grande école du numérique. Et j'ai essayé de me souvenir de tous les points négatifs de cette formation pour ne pas les reproduire. J'ai voulu structurer la formation de la manière suivante. Donc la vidéo, qui sera la partie principale de la formation. Un dashboard Notion qu'on fera tout au long de la formation. On va le créer ensemble en fait. Un support de présentation au format PDF, des questionnaires basiques et une partie gamification. Pour parler rapidement de la gamification, c'est le fait de rendre l'apprenant acteur de ce qu'il est en train d'apprendre, via des petits jeux ludiques. La team, ce que je vis en ce moment, c'est assez nouveau pour moi. Quand je fais du consulting, c'est différent. C'est une heure durant laquelle je partage mon expérience et où je vous aide à avancer sur vos projets. Là, pour moi, c'est complètement différent. Je dois tenir un fil conducteur tout au long de la formation et vous léguer des compétences exécutables. Enfin bref, je digresse. Quoi qu'il en soit, je me donne à fond pour vous faire quelque chose de bien. Pour les personnes qui voudront suivre cette formation, sachez qu'elle va se découper en 6 chapitres qui, pour moi, sont essentiels. Une partie sur la stratégie, un CM doit savoir appliquer une stratégie, une partie sur la ligne éditoriale, une partie sur le community management qui, à mon avis, sera la plus grosse, une partie sur les KPI, et pour finir, une partie sur les outils complémentaires. Lorsque je me suis documenté sur comment faire une formation qui déchire, j'ai appris que le temps d'attention optimal d'un apprenant en ligne est de 3 minutes. Donc pour le coup, en écrivant mon script de vidéo, j'ai essayé de garder cette info en tête. Mais bon, vous le savez, dans la vie, il y a la théorie et la pratique. Pour finir, j'ai voulu que vous puissiez suivre l'évolution de cette formation. J'ai donc créé un dashboard de suivi sur Notion, accessible sur mon site. Il est basique et pas totalement rempli, justement pour quand même laisser un peu de surprise aux futurs apprenants. Bon, on va parler du prix. On va parler de la douloureuse. Là aussi, j'ai fait mes recherches. On classe les formations de 3 manières. La formation d'entrée de gamme, qui peut être entre 50 et 250 euros. La formation moyenne gamme, qui peut être entre 250 et 750 euros. Et les formations haut de gamme, au standing, qui sont à plus de 750 euros, voire 1000 euros des fois. Là, la team, j'ai fait quelque chose de très risqué. Et je ne vous conseille pas de faire ça en tant qu'entrepreneur. Si jamais un jour vous décidez de produire une formation, selon vos compétences. Je n'ai pas le coût exact ni les bénéfices que je vais pouvoir en tirer, mais je vous promets une chose, c'est que ma formation, elle sera au prix de 350 euros durant un an. En description, il y a un lien hyper important pour les personnes qui envisagent de suivre cette formation. Ce lien vous mène vers un formulaire de préinscription à la formation. Les places sont limitées car elles vous donnent droit à un bon de réduction à la formation. Actuellement, il y a 6 inscrits. Les 5 premiers recevront un bon de réduction de 40%, les 5 autres de 30%, et ainsi de suite jusqu'à atteindre le prix de 350 euros. Je ne sais pas si cela a déjà été fait, mais moi j'avais envie de le faire, de vous faire kiffer, de faire kiffer mes premiers inscrits, et en plus, leur retour sera primordial pour moi. Voilà la team, je me suis mis un bon petit coup de pression, mais bon, normalement ça devrait le faire. La formation, elle devrait être là, elle devrait sortir. Vous avez la section commentaires si vous souhaitez interagir par rapport à ce qui a été dit en vidéo. Moi, la team, je vous souhaite la santé et la réussite. N'oubliez jamais, celui qui ose gagne. Peace.